Salut à tous les amis, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le numéro 6 de la 6ème 0. Et oui, il était un peu tant attendu celui-là. Donc voilà, on est parti du coup pour le montage du numéro 6. Et là je vous dis, ça m'a envoyé un peu du steak. J'ai hâte d'être au numéro 15, pour vous dire clairement. Voilà, bon allez, il y a au moins deux packs à rattraper. Bon allez, c'est parti, let's go. Dans ce numéro 6, nous avons différentes pièces. Bon, bah ça, on va pas les renommer, hein. On les connaît un peu au fur et à mesure du temps. Mais aussi, en plus, on avons une grande plaquette là, à ce niveau-là, qui va permettre de protéger certains trucs. On verra à quoi ça va servir. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on commence le montage. Bon, la première étape, déjà, elle va consister donc à faire un accéléré pour les deux numéros, donc, bien sûr, pour les cylindres. Voilà, les moteurs de fait, donc c'était assez rapide. Je vais faire la colle. Et là, on va les positionner directement, du coup, sur leur emplacement. Alors, si je vois la lettre dessus, il écrit quoi dessus? Ah, et ben on va les mettre aux emplacements. Ah, bien sûr. Hein? Ah 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 ah. Hop, on y va. Hop, un petit point de colle par-ci. Un petit point de colle par là. Et on met le téton. Et voilà, on le positionne. On fait pareil pour l'autre. Donc toujours la même façon. De toute façon, il n'y a pas de sens à avoir. Le sens est directement indiqué. On voit le petit téton qui va faire le petit bout de qui est au bout là. Et on enfonce dans le trou. Comme cela. Paf, paf, paf. Et voici, et voilà, madame, monsieur, bonsoir. Voici notre avancement sur le deuxième cylindre, enfin deuxième étage, du MiG-29, de la 6ème 0, pardon. Bon, hop, je ferme ça. Et là, on va s'attaquer donc à l'autre partie, qui est, si je me trompe pas, cette partie-ci. Et là, faut que je vois juste comment ça se positionne. Alors, je découpe tous de mon côté et on se retrouve ensuite. Hein. Ok, j'ai compris le truc. Alors, je vais vous expliquer. Ça va être très simple. Vous voyez le trou là vers le haut. Ça, il faut qu'elle soit vers les tutubes là. Vous voyez les tutubes. Voilà, ça va se positionner. Alors, attendez que j'y arrive. Dans les trous, comme ceci, tu vois. Voilà, ça va se mettre comme cela. Donc dans les deux trous qui sont juste là. Donc là je colle tout ça et on se retrouve ensuite.
Et voici une de terminée. Ah, il y en avait 8 sur la grappe, c'est pour ça, d'accord. Bon, bah j'en ai un de trop, c'est normal. Ah, je vous montre un peu le résultat final. Je boche mon truc. Voilà le résultat final. Hein. Un beau petit rendu, avec bien sûr la pointe vers les surfaces là. Et franchement, ça commence à bien rendre. Hein. Franchement, très bel effet. Hein. Du plus bel effet. Bon allez, on continue. On voit du coup pour le numéro 27, vous verrez à la fin de la vidéo, comme d'habitude, et puis voilà. Et surtout, voilà, bon, de toute façon, voilà ce qu'on a pu monter. Bon allez, allez à toutes, tchuss. Donc, nous voici arrivés à la fin de ce numéro 6 du MiG-29. Et on a pu monter donc cette belle grosse pièce qu'on a pu voir. Ici, là, donc la petite partie des deux petits bouts, plastoc. Et aussi, donc, une, là, on continue à faire donc le MiG-29. Enfin, la partie A de la 6ème 0. Je confonds toujours les deux, hein, alors que l'un c'est russe et l'autre c'est japonais, ça n'a rien à voir, mais bon. Voilà, c'est n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Bref. Du coup, si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Et surtout, mais aussi, n'hésitez pas à mettre la cloche. Ça vous permettra d'avoir une notification au niveau de la page YouTube. Et donc de voir des nouvelles vidéos qui vont peut-être sortir prochainement et des exclusifs aussi. Sur la partie la partie bateau et aussi côté aéronautique bien sûr, parce que là faut que je fasse la partie motorisation que j'avais prévu de faire depuis un certain temps, depuis que le début de ma chaîne pratiquement, que je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Et puis voilà, sur la partie du bateau, la partie amarrage, aussi avec les bits d'amarrage que j'avais eu comme sujet. Et puis voilà, si vous avez d'autres sujets aussi à me lancer ou à me relancer, n'hésitez pas à me le dire. Alors par contre au niveau du train, c'est pas mon domaine, donc je pourrais pas vous dire quoi que ce soit. L'espace aussi, par contre, je pourrais vous dire quelques trucs. Donc voilà, voilà. Bon allez. Et du coup, bon vent, bon vol les amis. À tous.